Hey, hey, hey. Ça fait partie des dégradations qui sont regrettables et qui sont parfois commises aussi en marge de ces manifestations de gilets jaunes certains samedis. Des dégradations de cette nature, il y en a eu d'autres. La plaque d'hommage au policier Xavier Jugelé, qui a été assassiné hein, dans le cadre d'un attentat terroriste sur l'avenue des Champs-Élysées, avait été aussi dégradée, on s'en souvient, à l'occasion d'un samedi de manifestation. Lorsque se produisent ces attroupements-là, où on a ces individus qui sont grimés de noir et qui cassent, qui dégradent, plusieurs symboles vont être à chaque fois exposés. Alors ça peut être
des symboles du capitalisme, les agences bancaires, certains commerces de luxe, mais ça peut être aussi d'autres types de symboles. Les plaques commémoratives peuvent effectivement aussi être l'objet de dégradations, comme ça a été le cas cet après-midi, hélas. Regardez ces dégâts, donc ce monument qui se situe en plein cœur, au centre donc de cette place d'Italie, notamment en la mémoire des soldats qui se sont battus durant la Seconde Guerre mondiale, donc forcément à l'extérieur du territoire national. Et vous le voyez que le monument a été totalement détruit. Il reste bien évidemment la statue, mais les éléments les plus radicaux de cette manifestation s'en sont pris. Ici, à ce monument, ils ont détruit pierre après pierre tout ce qu'ils trouvaient donc sur ce tout ce qu'ils se trouvaient sur ce monument. Vous voyez les débris hein, qui jonchent le sol ici en plein cœur de cette place d'Italie.